De l'adamantium, c'est bon ça. Angerfish. Mmh. Si le poisson n'est pas content. Comme son nom l'indique. Ça, c'est ça. Merde, encore une fois, j'ai laissé tomber mon épée par pure erreur. Ouf, je l'ai eu. Et j'ai eu un esprit de la nuit. Ah ah. Encore ? Heureusement que tu peux te téléporter, mais que tu peux pas aller très loin. Il y a bon le bon mithril là par contre. Là, par contre ça fait plaisir. Voilà un petit coup de potion. Alors lui dans le doute où il y arrive jamais. Bob. Oui. Ça te dirait de retourner en lieu sûr histoire de poser tes 35 platines que tu transportes avec toi. Oh shit. Mais tu sais quoi, c'est une excellente suggestion. Je vais peut-être même juste faire ça, tiens. J'arrive pas à croire que j'ai une idée aussi géniale. Mais auparavant, ouvrons d'abord ce bac à lave, ça m'a l'air d'être une excellente idée. Non, parce que c'est de la lave. Le minerai qui semble être contenu ici semble tellement précieux, je ne peux pas en détacher mon regard. Ce que tu as dans la poche, vomit, merde. Je suis d'accord. Non. Et remercie le chat, hein. Oui, oui, c'est vrai. En train de m'endormir à moitié, c'est eux qui m'ont prévenu. Oh god. Oups. Ah, cette poche. Ah non, mais c'est pas vrai. J'y vais quand même. je sais que tu vas quand même. Tu pouvais pas t'empêcher d'y aller quand même. Trop de gris. Juste pour 3 cubes de cobalt, quoi. Non, mais t'es... Ah putain! Ah! Ah! C'est l'attaque qui mettra fin à ma vie! Je le sens dans mes tripes! Ah! C'était une feinte! Oh! Ah putain! Rentre à la maison! Oui, madame! Fucking boulet! C'est pas vrai. Oui, madame, tout de suite, madame! Dès que j'aurai obtenu ça, yes! Oui, donne-moi ton âme! Hop! Hé, je suis trop fort! Hop! J'attends que ça se vide en toute sécurité. Ouais. Que ça se vide en toute sécurité, j'ai dit. Oh putain, un marteau tourbillolant! Aïe aïe aïe! Oh putain, et en plus je suis pas en sécurité nulle part! Ah putain, qu'est-ce que je t'avais dit? Ah oui, c'est vrai, de rentrer. La la la. Non, c'est bon, je tiens là. Ok, j'ai même l'améthyste. J'ai le beurre, l'argent du beurre, cul de crémière, j'ai tout là. Tout est prévu, tout est organisé. Putain, c'est juste de l'argent, c'est pas du cobalt. Pourquoi personne me l'a dit? C'était un piège. It's a trap. Miroir magique, dis-moi qui est la plus belle. C'est bon. Il me l'a dit. Je suis content. Wink, ça va, c'est bon, t'as compris, t'es contente maintenant. Oh misère. Bah, moi contente, elle est mieux, je m'en fous, c'est toi qui aurais ragé. Perds ma rage.
Bon, on va peut-être virer ces lanternes bleues qui attirent les monstres. Parce que je les avais mis en signe de provocation à l'époque. Maintenant, je me chie un peu dessus. Allez, je mets une piggy bank. Ah. Bonjour, je vais faire un dépôt. Un dépôt de permacraquisme. Ah ben ça, et on comprend ça. Ça marche par centaines, c'est pas l'unité de monnaie d'Harry Potter. Non, faut pas que je m'énerve, pas que je commence. Ah non, parce que non, si on avait Harry Potter, on va dériver sur Disney, et là on n'a pas fini. Non, non, mais Harry Potter seulement, déjà, il y a tellement à dire, faut pas que je commence, c'est tout. Qu'est-ce que je peux faire fondre avec cette merde? Une barre de cobalt. Fructueux. Oh, 24 barres d'adamantium. Fructueux. C'est plaisir. Hop, voilà ce que je peux faire avec. Alors, ça demande pas beaucoup de minerais encore, hein, c'est sympa. 20 mitrine shale mail. Oh yeah. Mitril drill. ...150% pickaxe power. Mitril sword. Holy shit. Bonjour. C'est clair. Mitril drill. Oui, tellement de drill. Et j'adore, durant la présentation de Terraria, que je ne connaissais pas avant ce live, tu me disais, oui, alors j'ai l'armure d'or la plus puissante du jeu. Voilà. Non, au-dessus de ça, il y avait plein d'autres armures, comme l'armure d'Adamantium, l'armure de d'os. Pardon, pas l'armure d'Adamantium, l'armure d'os, l'armure de... Comment s'appelle? L'armure de l'ombre, des écailles d'ombre, et enfin l'armure de... Les ténèbres. Non, non, c'était... Voilà, c'est ça. Et après, il y avait l'armure de l'enfer, en fait, avec des pierres de l'enfer fondues. Molten armor, tu vois. Complètement craqué. Sans oublier l'armure en météoritite qui est intermédiaire, mais là on a tapé dans du gros tir là, du gros god tir qui tâche là. Oh la vache. Dimitri Bar, putain, ça fait du bien. Alors tu remarques que je change pas mon équipement tout de suite, parce que comme j'ai tout le set de cobalt, j'ai un bonus. J'ai un bonus comme avec d'habitude. Le set, voilà, c'est ça. Donc il faut que je garde ce bonus de set. Soul of Light, Soul of Night, super. Super PG classique. C'est, on sent l'inspiration Square et LOL, enfin. Complètement, complètement. C'est ça, c'est ça. Une barre de cobalt pour faire style agile, j'ai travaillé alors qu'en fait je full stuff. Mais à dire, c'est. C'est pas ce que tu crois. Voilà. Rangeons ces objets donc. À part ça, c'est valide. Plus qu'à remplir cette bière. Elle va malheureusement pas se remplir toute seule. Excellent. Femme. Non, j'ai rien dit. Je suis là pour cette haine, mon fou. Non, j'ai rien dit pour une fois, bordel de merde. Misogynisme. M'accuse de choses dont je ne suis pas responsable. Mais c'est le coup de la bière qui se remplit pas toute seule, quoi. Je suis désolé. Ah merde, la corruption a repris pas. Ah non, elle a même pas repris le pas, en fait, ça se bat toujours, hein. En fait, là, ça se bat pas des masses, là. Ouais. Donc ma petite sortie avec l'eau bénite n'a servi à rien, finalement. Dommage. Mais disons que c'est temporaire. Je vais essayer. Tu essayes. Ah, bah tiens, en plus, là, c'est à moitié purifié. Non, en fait, c'est n'importe quoi. Et là... Ah, tiens, là, ça n'a pas été purifié. Ça n'a pas été corrompu de rien du tout. Un endroit de terrain normal. Avec des tournesols. Space. Et parce qu'en termes d'apesanteur, voilà, tu... Oh. Et là, on plonge. Ninja. D'accord, ça mène à rien du tout. Ah oui, il faut que je teste cette magnifique...
ce drill en mitril en fait. Ça a l'air hautement technologique. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Ou la jungle. Est-ce que la jungle est devenue plus dangereuse? Probablement. Qu'est-ce qu'il y a? Je commence doucement à avoir du mal à garder les yeux ouverts. Mais ça va passer, ça va passer. On va bientôt finir ça, on va bientôt finir ça, je te rassure. Oula. Ah non, mais tu prends tout le temps que tu veux. On s'a fumier. Cette jungle, normalement, on aurait dû l'explorer avec Jeal avant de s'attaquer au sous-sol. C'est en flamme, l'enfer, normalement, c'est le top tier, mais c'est tellement chiant à gérer cet endroit. Ça nous a cassé les couilles tout de suite. Ah non, tu vois rien, tu te fais attaquer de partout. C'est... Même l'enfer est meilleur parce qu'au moins c'est structuré, tu vois ce que je veux dire. Il y a la lave, il y a des bâtiments, c'est... Oui. Tu peux te déplacer. Et là, c'est. Oh, de la météorite. Troll. Oh, de la météorite, excellent. Ah, mais attendez. Je reviens, les mecs, bougez pas. Du coup, oui, bon, je dois refaire tout le chemin, tu me diras. C'est pas très intelligent de ma part, mais. C'est prévu. Parce que la météorite, qu'il n'y a qu'une seule méthode de la miner. À la dynamite ! Comme dans Rambo ! Comment Rambo éteint-il un incendie ? Véridique. Comment il éteint un incendie qui détruit un puits pétrolier ? Je l'ai vu, hein, c'est dans ma cassette. Comment Rambo éteint-il un puits pétrolier? Je vous laisse réfléchir. J'annonce. Rambo, ses potes, ils disent « Ouais, pour éteindre un feu, il faut faire un plus gros feu pour bouffer tout l'oxygène !» Ah ouais? Et on fait ça comment? Il nous faut de la nitroglycérine! Sauf qu'ils n'ont pas de nitroglycérine parce qu'ils sont dans le Texas. Alors qu'est-ce que Rambo il décide de faire? C'est « Mais Rambo, nous n'avons pas de nitro !» Non, mais j'ai mieux. Du C4, reculez. Et il prend un bâtiment, un véhicule complet rempli de ras-le-cul de C4 et il l'envoie dans le puits en flamme. L'explosion qui s'en dégage est si terrible que même Rambo il est soufflé. Et qu'un de ses potes, il est pris sous la structure qui s'écroule. Oh, il doit utiliser ses muscles pour soulever toute la structure en acier. Toute la structure en acier d'un puits pétrolier. Alors, autant qu'il utilise ses muscles pour soulever une colonne en pierre de 200 kg, mettons. Tu vois ce que je veux dire? Je veux bien oui. Mettre mon suspend of disbelief, tu vois. Je veux bien admettre. Mais là... Là, le truc doit peser 6 tonnes, il a. Mais je sais, hein, tu m'avais forcé à regarder les extraits. Ah non. Oh my god, mais ça vaut tellement la peine ce truc. C'est juste magique. Alors, c'est comme ça. À mon avis, c'est très masculin. C'est comme ça qu'on mine, les salopes. Et hop là. Tout à la dynamite. Dovahkiin. Finalement, 3 dynamites suffisent. Et voilà, les enfants. Oui, t'entends les nains. C'est comme ça qu'on drill de la météoritite. Et voilà. Plutôt que se faire chier à la creuser, tu sais. Bombe vieille. À Rambo. Bon coup de C4. Le problème est réglé. Oh, une momie. Elle est morte. Oh, un vautour. Yeah. Prends ça. Bata. Oh, il est mort. Non, mais lol, un altar des ténèbres dans la flotte. Non mais oui, bien sûr. Naturellement. Non mais... T'as des questions? Ouais, non, mais aucune. J'ai presque envie de le laisser là, tiens. Parce qu'au moins, on saura où il se trouve. Je vais faire ça, je vais le laisser là. Comme ça, au moins, on saura où il se trouve, si jamais.
Sinon, chercher un moyen de pouvoir pénétrer dans une caverne souterraine intéressante au demeurant pour trouver du cobalt. Est-ce qu'il y a une caverne souterraine? Oh oui! Et même un coffre avec une lance et une potion de brillance. Excellent, j'appuie sur les deux et j'ai le buff. Et en plus, j'ai bu de la bière! Donc j'ai moins de défense, mais je tape plus dur, yes! Comme un homme. C'est ça. Écoute, c'était à rien, ça reprend tous les principes du tous les principes de base du de la Jap animation. Hop, je respire vite avant que l'air remplisse, enfin que l'eau remplisse l'endroit. C'est n'importe quoi, mais enfin bon, c'est pas grave. De toute façon, faites la cohérence au niveau où on en est. Hop, un peu de démonite parce qu'il n'y a pas de raison, hein, après tout. Soyons fous. Oh, du gold. Non, mais oui, c'est liberté de toute façon. Oh, je l'ai creusé le machin, si c'est pas une mort atroce. Oh, une armure des ténèbres. Haha, bitch. Oh, putain, j'aurais dû prendre le sceptre de dos. En fait, le sceptre de magie d'eau est juste craqué parce que tu peux voir tout ce qui se trouve en dessous de ta position, en fait, en termes de minerai. C'est juste obscène. Oh god. Parce qu'en fait, ça fait des petites étincelles qui vont à travers le sol, mais tu sais, sur des kilomètres. Donc c'est du grand porte-nawak. Ça permet tous les abus du monde. On le fait. J'ai pas un truc qui serait similaire? Non, ça peut-être. Tu vois, avec les petites flammes, ça le fait. Oh, il y avait un piège. Pas vu. C'est n'importe quoi. Quite. Tabulaï ! Il est mort. Laser ! Sinon, j'ai mis la main sur un jeu Square Enix. Au cas où ça t'intéresse, hein, je sais que t'es dans les Final Fantasy, tout ça, toi. Vaguement. Écoute, ils ont des cheveux longs et des ceintures. Voilà, c'est ça. Et un jeu qui s'appelle Project Sylphid, qui est donc un jeu Square Enix qui est un RPG. Enfin, c'est pas un RPG, c'est un jeu de vaisseau spatial piou-piou, où il y a des vaisseaux spatials dans l'espace et ils se tirent dessus, mais avec tout le drama de l'histoire d'un Square Enix classique. Princesse en détresse, monde à sauver, grand méchant Zéphyrossien, enfin, la totale, quoi. Vraiment la totale, avec des culs de scène absolument magnifiques, complètement nanardes, mais nanardes de l'infini. du greffonnier à mort, parce que le japonais. Oh oui, ça. Et ben par contre, du bichi. Hein. C'est, oh oui. J'annonce, hein, l'antagoniste rival, il a les cheveux blancs, pour commencer, tu vois. Et il ressemble à Riku, donc c'est... En plus, la fille ressemble à Kairi, non mais en fait, c'est surprenant quand j'y pense. Mais le seul problème de Square Enix. Mais ce jeu est excellent pour une seule chose dans le jeu, donc tout le principe du jeu, tout le principe du jeu est le même, hein, tu te balades à propos de ton chasseur de combat vaisseau spatial, petit à la X-Wing, tu vois, à la porte de ton X-Wing, et tu accomplis des missions diverses et variées, très souvent ça consiste à sauver le monde, ou la situation, très fort, et c'est ça, et tu peux l'armer comme tu veux, alors en y mettant des lasers, des missiles, des choses, tout ça, machin, c'est tout, et parfois, c'est ça, complètement full custom, et ça c'est très bon, c'est un bon point, je l'accorde. Cela dit, il y a des customs, oui, il y a des customs, alors tu peux, tu peux, mais je l'ai pas fait, par contre, côté custom, il y a des armes que tu peux mettre qui sont complètement obscènes à la Gurren Lagann, il y a notamment ce que j'appelle le canon pénis, qui en fait est un canon à protons, et un canon à protons qui a la forme d'un canon, tu sais, des années 1600, quoi, un vrai canon de 18 pouces, tu vois, très large, avec un très gros canon, tu vois ce que je veux dire, c'est très large, c'est complètement obscène, un peu la Sky of Arcadia, est-ce que tu as joué à ce jeu? Non, si peut-être. Wow,
Je t'avais regardé un des potes qui jouait, mais j'y avais pas joué. Dommage, 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 parce que dans le jeu, il y a donc des vaisseaux qui sont des bateaux volants qui se battent entre eux, et ils ont des armes spéciales, des super canons harpons, des trucs comme ça, et donc tu te bats contre un ennemi qui, lui, n'a pas d'armes sur son bateau, pas de missiles, pas de torpilles, pas de petits canons, rien. Il a juste un seul gros barillet de pistolet qui fait la moitié de son pont. Genre le canon, c'est juste le canon qui fait la taille de la tour Eiffel et qui balance des obus qui font la taille du... Oh oui. Et le gars, il s'appelle le canon Bigoro, tu vois. Et c'est complètement le canon le plus phallique du monde qui balance juste des pralines, des pralines complètement freudiennes. Et dans ce jeu, donc, tu as le canon à proton, que j'appelle le canon phénix, qui en fait charge, quand tu tires avec, ça charge pendant 20 secondes. Je sais pas si tu te rends compte. Dans un jeu où tu as un chasseur poursuivi vers des missiles, 20 secondes où tu dois charger et ne rien faire. Ne rien faire, et où tu es là... Final! Tu prépares ton final flash, t'es là, final! Final! Yeah! Oh God! Final! Et là, par contre, c'est jouissif parce que avec ton X-Wing, tu regardes le croiseur de guerre qui fait la taille d'un Imperial Star Destroyer dans Star Wars, c'est-à-dire le triangle, tu sais, le gros triangle. Avec ton X-Wing, tu le regardes droit dans les yeux, puis t'es là, final! Penis! Puis tu tires un putain de rayon. Et là, le Star Destroyer, il explose. Ah oui, c'est la fin. Il explose et ton vaisseau est soufflé par l'explosion et il part en vrille. Ça lui fait pas de dégâts parce que t'as pas d'auto-dégâts à toi-même. Et ton vaisseau part en vrille et tous tes potes se plaignent de faire gaffe aux tirs alliés. Parce qu'en fait, tu les touches au passage. Et j'annonce ce canon pénis, il est juste suprême. Tu peux tirer que 6 fois avec par mission. Mais je te jure que c'est 6 fois, t'es là, final. Putain, tu cherches ton final flash, hein, et au moment où tu t'attends à dire final flash, l'autre fait final penis. Et je te jure que quand tu le cales, c'est juste une insulte. C'est le Ganondorf punch, quoi. C'est juste une insulte que tu fais à ton adversaire. C'est juste magique. Oh, du stuff. Non, mais Square Enix, ils sont bien pour prendre des joyeusetés comme ça. Ah non, non, mais vraiment, s'il y a une chose que je leur reproche, c'est leur goodies. C'est vrai. C'est la qualité de leurs figurines. Trop belles. Pourquoi ? Ouh. Ah, ça va être plus facile ainsi. Pourquoi les figurines en plastique ? Pourquoi ? Pas un industriel articulé avec des visages aléatoires, des coupes de cheveux aléatoires, sans aucune texture. Enfin bref, je pleure sur les figurines Square Enix. On sent la déception dans ta voix. Non, je suis désolée, avec la plastique de leur personnage, ils pourraient faire des figurines, mais... Sublime, je suis d'accord. J'ai juste une question par contre pour le chat dans le live. Est-ce que quelqu'un a déjà joué à Project Sylphid? Juste pour voir si je suis pas fou. Les gars du chat que je sais, oui, il semble, mais c'est pas compréhensible. D'accord. Pour ceux qui ont joué à Project Sylphid, est-ce que vous aussi vous avez vu la taille de ce canon à proton? Est-ce que vous aussi vous avez pas pensé que c'était juste... Parce que je te jure, en fait, au moment où tu sais, t'as le... Parce qu'en plus, tu vois la customisation, c'est-à-dire au moment où tu fais la customisation, t'as un bras mécanique qui va chercher la pièce et qui la colle sur ton méca, tu sais, en mode interactif, c'est joli, ça rend bien, c'est bien pensé. Et le pire, c'est quand il va chercher le truc, tu t'attends à, tu sais, un canon, un rayon, un truc comme ça, et là, il te ramène une espèce d'obusier. Et toi, t'es là, mais what? What? Et tu regardes le truc et tu le charges. Et en combat, quand tu veux t'en servir en combat, tu vois la barre de chargement, tu fais non. Mais c'est pas possible. Tu essaies de tourner à gauche et t'as la petite voix d'âme dans ton vaisseau qui te dit impossible de tourner à gauche. Ravitaillement du canon proton en cours. Tu peux même pas tourner. Toute ta puissance de moteur de ton petit vaisseau est concentrée pendant 20 secondes, 20 longues secondes dans le canon pénis. C'est 20 interminables secondes. C'est 20 interminables secondes, mais c'est juste celles qui te font le plus jouir, j'annonce. Celles-là, tu les balances. Le final pénis, quoi. Vegeta à côté, il vaut rien. C'est juste carrément n'importe quoi. Oh, je lâche le sang. Ça doit être très masculin. Genre. Ah, mais c'est jouissif. Attends, même pour une fille, j'annonce là, tu t'amuses là. Là, tu rigoles. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Et là, tu regardes ton compagnon et ton compagnon te dit, oui, chérie, c'est comme ça d'avoir un pénis en fait. C'est exactement cette sensation. C'est la même. Ah putain. Son vrai nom, c'est quoi, à mon avis, pour quelques recherches ou Google Images? Je crois que c'est...
canon trou noir, j'en sais rien. Regardez Project Sylphide et les armes expérimentales complètement. Ça prend même l'énergie des chiottes. Puissance, machin. Non, mais ça prend l'énergie des chiottes, ça prend l'énergie du papier peint, ça prend l'énergie de tout. Le papier peint. Il avait rien demandé, il était là, il avait des fleurs. Mais cherchez Project Sylphide, Secondary Weapon ou les trucs comme ça, et vous verrez, vous allez trouver. Mais vous pouvez pas le rater. C'est juste un truc qui fait le tiers du enfin, il fait trois fois la taille du vaisseau. C'est juste ridicule de voir un chasseur Star Warsien avec ça, quoi. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont cramé? Ça tiendra à jamais, mais c'est aussi balistique. Bob, tu loupes la tamantite. Merde, elle est où cette tamantite? C'est ça là-bas en rouge. J'ai passé une torche et j'y retournerai. Là. Ah oui, effectivement, c'est peut-être de la diamantite ça. T'es sûr que c'est de la diamantite par contre? Parce que de toute façon, j'ai 2 minutes de retard sur toi. Non, non, c'est du copper. T'as fumé, c'est pas de la diamantite. Il est en train de se faire déglinguer, lui, dehors. Arrière, saleté. Ça se dû faire ça derrière, non, jamais trop. Bah là j'en ai trop en l'occurrence. Mais je vais pas la remplacer par de la terre, une connerie, une saloperie que j'ai récupérée sur la route, qui n'aurait pas d'importance. Ça, Waterleaf. Hop. C'est super jouissif cette. En plus, Géal se fait brutalement violenter, c'est un plaisir à lire. Quoi? Le pauvre! Mais écoute, il était parti, il était sur la face normale, mais lui il est revenu et puis. Géal s'est fait couper en deux, oui. Continuez. Tu as fait des listes ou rien, comme un gros chien? Que puits de rien du tout. Hors de mon chemin, squelette méprisable. Dégage l'abeille. Putain, ça lui a mis sa quiche ça par contre. Elle s'est fait massacrer encore. J'aime ça. Ou de l'argent. Si ça continue, on va pouvoir se faire des full maisons en argent, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Et ça, Iron. Je vais faire. Bah, creusons un peu vers le bas, histoire de voir s'il n'y a pas de toit. Waouh. Du saphir, ça. Ouh, des saphirs de dingue, j'aime. Du saphir, il y a bon. Et ça, c'est du copper. Bon, ça n'a pas d'importance. Voilà. Moi, je suis rassuré de voir que la jungle reste à peu près au même niveau. Ce qui fait qu'elle est largement abordable, en fait. Tant mieux. Carrément.
un endroit safe, enfin relativement. Carrément. Encore du mitré, mais si ça continue, je vais être full armure avant de le savoir. Espérons. Ah, je me fais attaquer par une limite, ça fait vachement mal. Putain, ça m'a donné que 20 de vie, pourquoi je voulais boire une potion? Et attends, il y a Nasty Magic Dagger. Une dague magique. Oh! Un Magical Returning Dagger, cool! J'aurais pas perdu ma journée, moi, dis donc. Et ça, c'est juste du bête argent. Ok. Je s'est fait détruire, oui, encore. Poursuivez, je vous en prie. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, moi, brave. Oh non! Toute l'équipe d'Atomium s'excuse pour cette blague particulièrement débile! Ah putain! Qui a coulé comme une pierre! Pardon. C'est facile, hein, moi aussi je peux le faire! Oui, mais c'est pas vraiment une bonne idée. Le pire c'est que tu sais diablement que j'en suis capable. Mon dieu. Moi, pas du tout. Je veux pas du tout de quoi tu parlais. Elle s'est fait massacrer encore. Bonheur. Il s'est relevé. Non, il est mort. On le sûr, mais il était censé dormir. Non, il est couché là. Il laisse juste son PC tourner pour que. D'accord, tout s'explique. Oui, je profite largement de sa largesse là. En même temps, il profite de ma connexion internet, tout ça. Ça va pas faire chier. Oh putain, ah, non, tellement ma connexion internet. C'est pas humain. J'ai plus de place pour le cobalt or. Bullshit. Voilà, du gel. Excellent. Chers amis, cette session de forme arrive bientôt à sa fin. Je suis en train d'arriver à... La limite de tes capacités? Non, je suis en train d'arriver à des quantités absolument obscènes de minerais. À force de bouffer de la terre, comme tu bouffes ces putains de maps. Tu pourrais faire un village dans tout ce que t'as creusé. En fait. Pire, c'est que ça creuse dedans, mais comme du beurre, quoi. J'hallucine. Si seulement j'avais eu accès à ce matos plus tôt. Mais où était la technologie quand j'avais besoin d'elle? Et attendez que tu la trouves. Ah, t'es probablement au pute. Je me fais attaquer par un poisson qui me fait énormément de dégâts. Voilà, des torches un petit peu. Hop, je bois la bonne potion qui fait bien de la vie. Je redescends. Je balance un bon petit glow stick. Et là, je sors de nulle part en faisant ya comme un ninja. Je bute tout le monde comme un ninja maja. Ça se passe globalement bien. Il y a un cœur. Je récupère le cœur comme un maja ninja. Et ça se passe globalement bien.
3 Water Walking Potion. Putain, mais c'est de la merde. C'est de la bite. Obligé de détruire le coffre pour faire en sorte qu'il ne réapparaisse pas au cas où. Oh putain, de l'adamantium. Ah putain, je peux le miner, ça prend beaucoup de temps par contre. Il faut que je me débarrasse d'un truc, débarrasse d'un truc. 6 de démonite or, qu'est-ce qu'on en a à chier ? Voilà. Dégage la mouche, dégage ! Laissez passer la technologie ! Putain, j'ai vu un gros filon d'adamantium là. Juste maintenant, si j'ai pas rêvé. Ouais, je le vois très bien. Très clairement, j'y reviens tout de suite. Et j'ai viré toutes ces vignes à la con. Oh, une statue d'épée, elle est full prestige. Mais j'ai déjà plus de place. Fuck. Bob. Oui. Bob. Oui. Il paraît que c'est la lune rouge ce soir, donc ton village doit être dans un état sympathique. Rien à péter. On va faire une scène tout à l'heure où je vais rentrer et je vais pleurer très fort, d'accord. Où je serai là. Non. Avec les ralentis, tout ça. Tu n'es pas mon père, ce n'est pas non, possible. Non, mais en voyant les cadavres de PNJ de partout, enfin. La maison en sang, on va faire ça comme dans un vrai RPG. Oui. Où le village du héros se fait déglinguer dans les 7 secondes 9 qui suivent là, le moment où on apprend son nom, en fait. Indice important, si la mère du héros s'appelle mère du 3 petits points héros, elle n'est pas importante et elle risque de mourir très fort, très vite. En effet, en effet. Enfin, en général, maintenant, il leur donne un nom juste pour qu'on puisse s'attacher émotionnellement à eux avant de les faire crever. Ce qui est un échec global. Et tu te souviens du nom de la mère de Hope dans Final Fantasy XIII? Non. I did think so. Écoute, Final Fantasy XIII, c'est quelque part... Non, ça n'existe pas vraiment. Ils auraient vraiment dû attendre pour goûter la mère de Hope. Selon moi. Ils ont fait vraiment ça trop vite. Combien j'ai d'argent sur moi? Ouais, est-ce que j'ai récupéré? Ils ont vraiment fait Final Fantasy XIII trop vite à la base. D'accord. Ils voulaient absolument la sortir pour la PS3. Mais c'était pas une bonne idée. Mourez, mourez, mes mignonnes! Ah ah ah! Tout au laser! Ok, de la lave. C'est comme ça que je viens les... Ah, esquive! Ou de la damantium. À soi-même, le meilleur endroit pour farmer du minerai se trouve dans la jungle. Vu que les monstres ils sont relativement level, comment dire, raisonnables. Jal se fait toujours violer par les mobs. Mais il s'en lasse pas. Hein. Ah ben non, il y a de la diversité. Marrez-vous! Putain, encore de l'adamantium, putain, excellent. Tout se passe comme prévu. Bientôt, Rampo tombera dans mon piège. Et alors, plus rien ne m'empêchera de conquérir, tirer libre et... Ce
C'est méchant, ah, c'est méchant. Qu'est-ce que je vais devoir jeter? Suspicious Shukinai, j'ai pas le choix. Ça aussi. Chelle se fait brutalement décapsuler. Cette manière de le dire, oh god. J'ai rien de plus visuel. Hein, D'accord que j'ai mis cède, j'en suis conscient, chers amis, mais je m'en contrefous. C'est de la dentine, ça? Non, c'est de l'argent. Oh, t'as de piège que j'ai dodge comme un héros! Vous, bande de salopes! Putain, ils arrêtent pas de me harasser, c'est constant quoi. Putain, il est tombé dans la lave tout seul lui, il a fait allez, suicide, vas-y, Samgoul, reroll et puis zou. Même pas je te regarde, même pas je te parle, t'es qu'une abeille, tu fais pas partie de ma famille! Ah. Apparemment ces choses ont l'air importantes. Qu'est-ce que je... De quoi pourrais-je me débarrasser? Mais rentre et pose ton stuff. Yeah, je me débarrasse de la lance, oui, je la lance dans la lave, rien à foutre. Jamais, la découverte de tels minéraux m'empêchera toujours de rentrer. Regarde ça, ce filon. Merde, j'ai lâché mon épée. J'aurais pas dû. Regarde ce filon! L'avarice. Grid. L'avarice. Bon, t'es gentil, maintenant tu rentres. Je suis désolé, c'est l'avarice par Jihal. Dégage. Avoue, cette session aura été très fructueuse. Ah, pour toi, c'est tellement. Pour Jihal, un peu moins. Un peu moins. Je veux bien le reconnaître. Ça me fait chier de le dire, mais je veux bien le reconnaître. Bah, vu toute la montagne de stuff que tu peux avoir, tu vas partager, n'est-ce pas? Bah, je vais partager ce que je vais enlever, évidemment. Sinon, ce serait pas raisonnable, esprit d'équipe, tout ça. Vas-y Yoga, tu peux avoir mon armure de bronze précédente, signée Pégase. De toute façon j'en change comme de Smith alors. Et vu que t'es le seul à avoir des upgrades d'armure mais qui ressemble toujours à l'ancienne armure qu'il a, et à avoir exactement les mêmes pouvoirs et la même inutilité globale et constante dans ce putain de manga, je t'en fais cadeau. Parce que sans déconner, t'en as besoin. Et sérieusement, arrête de pleurer ta mère et trouve une gonzesse. Fais quelque chose dans ta vie. C'est-à-dire... Pour le coup, même Chou n'est plus viril. Et pourtant, c'est une gonzesse. Ma petite maman. Maman, ma petite maman. Oh. Mon frère. Ça me fait rêver parce que effectivement, le joueur du grenier, son chevalier préféré, c'est le chevalier du cygne. Alors que moi, je comprends pas, j'aime pas du tout le chevalier du cygne. Il sert à pouic. Il sert à mourir à chaque fois qu'il fait un combat. Mais mourir, hein, vraiment à chaque fois. Il s'en prend dans la gueule, quoi, je veux dire. Pour moi, ça va à l'encontre d'efficacité. Oh, une statue d'ange. Trop prestige. Moi j'avoue que comme toutes les gamines, c'était Shiryu. C'est... Yes! Yep.
Bob Lennon fait une entrée fracas. Bob Lennon viole les lois de la physique. Fuck la police. Fuck les lois de la physique. Mais go back home, là, c'est juste que ça. Ça, c'est ça. Bob Lennon était fatigué, il a décidé de, je sais pas, violer les lois de la physique. Et Bob Lennon a décidé de creuser à l'envers. Dovahkiin, Dovahkiin, quand Bob Lennon creuse un puits, c'est pour sortir. Oui, vas-y. Mais tu déconnes, mais le nombre de fois que j'ai fait ça dans Minecraft. Non, mais t'as pas compris, là, je vais regarder ce qui se passe à l'écran. J'ai 2 minutes de lag. Ah non, mais tu vas voir. Tu vas comprendre. Version porte Nawak activée. Siana dit à Bob de revenir grâce au miroir. Jamais! Non, mais si je le voulais, je le ferais. C'est hein, ça, je préfère violer les lois de la physique. Et on s'y fait au pire. Hein. En plus, c'est qu'on s'y habitue, tu sais quoi. Je sais pas le plus traumatisant, c'est le fait que j'ai la tête à l'envers ou que je m'y sois fait. Non, mais non. Ce qui est traumatisant, c'est le jour où tu rencontres la réalité. Trop de minerais de cobalt, ah, je peux pas tout ramener. Si, il faut que je jette quelque chose. Arrête. Je jette mes glow sticks. Oh God. Ah non, mais c'est... J'y vais, ça va. Ça va. Voilà, t'as gagné. Fuck. Ben c'est malin maintenant. J'ai décidé de remonter à l'ancienne. Fuck la police, t'es quoi? Y'a rien ni personne qui pourra m'empêcher de percer le devant de la scène. Ah. Pardon. On sent que t'as envie de pleurer. Oui. Excuse-toi, mon Dieu, excuse-toi. Je m'excuse profondément pour cette vanne. Mais j'ai une bonne nouvelle, je vois de la bouse, ça veut dire qu'on est proche du sol. J'entends des étoiles filantes tomber. Ça veut dire que je vais le faire, oh mon Dieu, mais je vais le faire. J'y crois pas. Je suis en train de vous train break mentalement là. Non! Magnifique rattrapage de ma part. Jal est mort, again. Jal ne fait que ça, mourir ces temps-ci. Ça a l'air de sa grande occupation. Oh oui, de l'eau! Dovahkiin! Dovahkiin! Ouais, blablabla! C'est étonnamment ce qui arrive régulièrement dans ce genre de... Silence, je vais pouvoir m'en sortir. Oh oui, je m'en sors. Ce que je vois surtout en dessous de moi là, c'est un coffre. Très précisément, juste en dessous de moi. Et c'est pas comme si j'étais trop plein anyway. Oh wait, je le suis. Ah, c'est pas grave, il est. Je vois un double coffre. Double Dovahkiin. Mais c'était un faux. Ah putain, c'était un piège. C'est pour ça que je le voyais. C'était pas un coffre en fait, c'était un monstre. T'as trop tournement de situation! Oh non! Oh! Il a lâché quelque chose, qu'est-ce que ça peut être? Philosopher's Stone! Je sais pas ce que c'est.
Je sais pas ce que c'est, mais ça va bah, c'est juste la pierre philosophale. Oui, qui je... permet de transformer le plomb en or. Oui, voilà, bordel. Je sens que ça valait le coup que je m'arrête. Je sais pas pourquoi. Je suis en train de me noyer. Ah putain, je suis en train de me noyer. Je serais mort là-dedans. Comme un gros con. Noyé, tu sais. Barrez-vous maintenant. Non. Barrez-vous, barrez-vous. Dovahkiin. Et toi, l'œil. Tu meurs. Tu meurs. Voilà. On rentre à la base. Équipe rouge, ce qui fait que je vais voir Jéhal. Non, je vois pas Jéhal, tant pis. La mission est un succès total, Dovahkiin. Enfin, elle sera un succès total si j'arrive à rentrer safe and sound. C'est pas encore dit. Mais utilise... Je me fais tirer dessus. C'est bon, t'es à la surface, utilise ton putain. Je me fais tirer dessus, je sais pas par quoi. Je vais prendre de l'élan. Bob Lennon s'élance. Bob Lennon, Bob Lennon Dovahkiin, il s'élance, il saute! Space! Et il va faire tout le voyage comme ça en mode full space! Space! Hop! Et voilà, je suis presque arrivé. A star, space, space, in space, space! What a space! Ouah, le grappin qui whiff! Le grappin qui whiff totalement! Le grappin qui permet de Bob Lennon de construire la coupe de Bebel! Incroyable! Ouah! C'était glorieux! Merci! Tip, hop, on saute par-dessus le trou clair, c'est aura fait! Tip, d'où? Vas-y, comme il est pim ce Magus! Tac. Et on dépose d'abord l'or dans la piggy bank. Je me suis fait 24 pièces d'or, si c'est pas obscène. 5 pièces d'argent. Et là par contre, chers amis, c'est l'heure de la gratuité. Montre-moi si c'est ton canon. C'est l'heure du crâne. Viens voir. Regarde, il y a 1040, si c'est ton canon. Oh oui, c'est le canon! Il a trouvé le canon pénis! Ya, le truc qui charge! Pénis! C'est juste obscène ce canon. Il a trouvé le canon pénis. À 1 minute 40, il a complètement raison, je te remercie. Ah, mais je vous le montrerai ce canon pénis. Et ils ont pas osé s'attaquer à ma demeure pour l'instant. Tout s'est plutôt bien passé. J'ai juste beaucoup de chance. Je peux poser deux statues. D'ailleurs, je vais changer tout de suite cette statue-là. Paf. La statue de la lance. Par la statue de l'épée, qui est juste full prestige. Full charisme. Oh. Voyons voir. Réfléchissons, qu'est-ce que je dois poser d'abord? Mes scans. Oh la vache, la pierre philosophale, ça réduit le cooldown des potions de soins. C'est pas genre le matos le plus important qu'on aurait pu trouver avant, quoi. Ensuite, là, il faut que je pose beaucoup de mordiers. Alors, du merdier. Ces bottes, que j'ai trouvé d'autres équipables. Ça, c'est une arme à distance. Testons-le. Yo! Ah, et ça coûte de la mana, mais c'est craqué. C'est complètement craqué comme objet, c'est sympa. Bref, objet distance magique. Ça, c'est une massue. Ça, c'est une pierre philosophale complètement permacrac que je vais me garder pour mon power Q. Merci, Jial. Ça, c'est une potion. Hop. Je sais pas ce que j'ai fait, je l'ai jeté. Ah non, c'est bon, elle est là. Hop. Là, ça va là. C'est l'heure du grand rangement. Bientôt fini, rassurez-vous. Ça va là. Et puis ça. Stinger, c'est un truc qu'on trouve sur les mouches. Enfin, sur les machins là-bas. Et tout le reste, je crois que c'est juste du... Putain, tout le reste, c'est juste du minerai.
Je crois, chers amis, que j'ai fait la folie du minerai. 4 stacks de cobalt, un stack d'or, 2 stacks de fer, un stack d'adamantite presque, et un stack seulement de mithril. J'ai pas trouvé tant de mithril que ça, c'est pas grave. Un peu décevant, mais je parviendrai à m'en contenter. Bon, bah, allons fondre toute cette merde. Yippee ! Je vais faire du matos pendant que Jem ne regarde pas. Non. Oh yeah. Yeah. Parce qu'on aime bien l'argent. Full acier. Et voilà. Des flèches enflammées parce que ça fait plaisir. Ouh, et là par contre c'est bonheur. Ah oui, les balles de météorite parce que j'en ai farmé un peu carrément beaucoup avec les explosions. 69, c'est le bon chiffre. Wink, wink. Un stack entier de barres de cobalt. Et enfin pour le mithril. Hop, plein, plein, plein. Malheureusement, je ne peux pas faire fondre l'adamantium. Que me manque-t-il? Pour faire fondre de l'adamantium... Ah, ils ont pas mis à sac ma maison, j'ai eu trop de chance. Pourtant, Jael s'est fait tuer plein de fois. Inexplicable. Oh mon god. Ouais, mithril en ville. Ah, qu'est-ce qu'il me manque? Réfléchissons, peut-être qu'il faut que je fasse une fonderie en mithril, en adamantite, ou une connerie comme ça n'aura pas de sens, mais... Pourquoi pas? Ça veut dire que si je veux faire une fonderie, il me faut du bois. J'essaie de penser selon la logique du jeu. Il me faut du bois et il me faut de la pierre. Et en plus, il se met à faire jour au moment où je serai idéal. Idéal. Il faut que tu fasses un four en adamantine. Ah! Il y a donc raison. God. Question, comment je fais? Un four en adamantium. Apparemment, vu que le terme upgrade est utilisé, je suppose qu'il faut partir de ton four de base. Bah attends, on va voir ça. Do not know. Ah, tout à fait. Il me faut une forge des ténèbres. Et 30 or d'adamantite. Oh! Et ça me fait une forge d'adamantium. Bah, full prestige! Et je peux enfin fondre des barres d'adamantite. Et ça me coûte 5 par 5. Ouah, je peux rien faire avec. Eh ben. Dommage. Je peux rien faire avec en mithril non plus. À part peut-être une. Ah, ça viendra plus tard quand t'auras plus de stuff. Mithril sword, mithril halbarde. Peut-être une mithril halbarde pour Jael, il aime bien ce genre d'arme. Ah oui! Je l'avais oublié celle-là! Ou je me le fais peut-être en bien de pouvoir. Hein. 85% axe power, c'est juste pété. Et celle-là, combien? 70% axe power. Ouais, en même temps, la hache, on s'en fout un peu. Bon, en même temps, après, j'ai décidé de me faire un chandelier, enfin un candélabre, parce que c'est bourge. Bam! Voilà, c'est riche. Ça sert absolument à rien, c'était gratuit. Puis je mets une bougie à côté parce que c'est encore plus riche. Rien à foutre. Fufufu, et dans mon coffre des ténèbres. Hop. Fufufu, je vais planquer toutes les réserves de minerais complètement précieux. Fufufufufufufu, à l'insu de Jael. Fufufufu. Je suis des maniaques. Sans travail, Hugo. Pardon, c'est ça qui est bon. Hop. Hop. Hop, pardon, Jael.
reine. Sans... Ah oui, ça vous faites. Piggy Bank. Platinum Coin. Goblin. D'où le goblin? Il est là. Fred. Reforge. Pierre Philosophale. Reforge. Non, reforge. Non, reforge. Non, reforge. Non, reforge. Non, reforge. Encore, 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 encore. Encore, plus de défense, c'est pas suffisant. Encore, 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 saleté d'enculé de merde. Allez, allez, un plus 3 défense, tu fais ton chien là. Tu me brises les boules, gobelin, tu me brises les boules. Allez, 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 allez. C'est sûr que c'est possible? C'est sans doute possible. C'est possible. Ah, voilà, plus 4 défenses. Là, on discute. Merci. Quel enculé, ce couple-là. Alors, comment tu deviens un robot, ma petite? Ah, elle va revenir, bougez pas. Oh, la vache. Excusez-moi, je re... Voilà. Bon. Eh ben, c'est qu'on est bon, là. Ouais, 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 c'est qu'on est bon tout ça. Ah, j'avais oublié. Gobelin, tu es où, gobelin? Goblinoïde de merde. Il est où, le goblinoïde? Tu me casses les couilles, goblinoïde. Reforge mon mitril drill. Plus fort. Plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Tu n'arriveras pas à me donner mieux que la démonite, hein. Enfin la démonique, hein. Bon bah je prends. Excellent. Du coup, ça me sert plus à rien. J'aurais pas cru devoir le dire à jour, mais il ne me sert plus à rien cette pickaxe. Je suis moi-même surpris. Moi, j'aurais été complètement pété. Bon, et quand je suis équipé comme ça, on va bien voir, hein. Ah, robot, toujours. Désolé. Du coup, j'ai été perdu dans les ténèbres. Allez, pose tes pièces, d'accord, oui, j'ai vu. Merci de m'avoir prévenu.
Another try. Deuxième essai. Beaucoup mieux. Ouf. Enfin. Oh God, décidément cet ordinateur. Enfin bon, jusqu'en novembre, jusqu'en novembre. Ça va passer, ça va passer. Est-ce que JL aurait ramené de l'eau Waterleaf? Il n'aura amené qu'une malédiction. Je vais pouvoir faire qu'une potion d'obsidienne. Pas très grave. Une suffira. Excellent. Bonne nuit. Bonne nuit. Hop là. Allez, dernier essai après piotage. Yo. Ah. Pépé. C'est bon, j'ai tout bu. Y'a la vaudoudole. Ah ah ah, par ici, fumier. Non, non, attends, t'annules pas le jeu de merde. Je crois que c'est la première fois qu'il y a des gens qui tuent réellement tout le monde sur le chat de finir le live parce qu'ils ont reçu jusqu'à la fin mais qu'ils n'en peuvent plus. Oui, je sais, je veux bien. J'arrive, je finis juste ça. Le prestige, c'est ça? Pour l'honneur? Ouais, je pense, oui. Je confirme, c'est prestige. Je sais que t'es dans les cordes là, c'est le monstre de merde. Fuck, je vais le payer cher ça. Aïe! Potion de soin, première. Combien? Ah, ça diminue d'un quart là, quand même. Temps de... Très bon ça, très très fameux. Dovahkiin! Yeah! Ramenez-vous. Je vous crains pas. Tu crois que je t'ai pas vu? Trop lent. Une souille. Alors. Troll. Gardering Sorcerer Emblem. 15% increase damage. Et ben voilà. Et un Strong Power Hanner. Super. Et ben voilà, c'est Jal qui va être content. Du coup, parce qu'il était jaloux de pas avoir le Pound Hammer. Je peux le comprendre. Oh, misère. Eh ben, dis-moi, c'est un bon finish. Ah, je suis très fier de moi, là, pour le coup. C'est la violence. Eh ben, écoute, je pose le stuff. Et on termine ce live. Eh ben, écoutez, chers amis, merci infiniment d'être resté avec moi pendant tout ce temps à l'infini. Merde, merde, merde!
Qu'est-ce que t'as oublié de faire? Non, j'ai fait de la merde. Tu vas vite comprendre quand tu vas le voir. J'étais en train de ranger le matériel, j'ai fait un faux clic. Voilà. Et là maintenant, j'ai l'air ridicule. C'est la fatigue, c'est la fatigue. C'est ça, c'était... Magnifique faux clic de la part de Bob Lennon. Une action superbe. C'est un fail, ça doit être le matin à la réunion, c'est pour ça. C'est le décalage horaire, Kosovo, tout ça, enfin bref. Oh miséricorde. Et je dirais que je suis toujours pété la gueule. Mais à l'infini. Et j'ai toujours pas posé mon argent avant de faire le Wall of Flesh. Oh, date pari. Ce pari contre le destin, chers amis. Allez. Oh. Je suis juste trop fort. Hop. Paf, paf, paf. Cette clé, je pourrais la poser. Elle me sert plus à rien, finalement. Je vais faire ça. Et disconnected. Et ben voilà, fin du live sur Terraria. J'excite comme un gros fumier. Je me tire comme le dernier des vieux chiens. Merci infiniment, en tout cas, cher public. Ah, la vache. Il n'y a pas un petit peu de d'Aisty qui traîne? Ah ben si, là, ça fait plaisir. Yeah. Bonne nuit à tous. Merci d'avoir tenu jusque là. Sans déconner, vous servez à rien. Ça vous apprendra, tiens. Ça sent qu'il y a des chômeurs. Non, je déconne, alors que c'est les grandes vacances. Ça fait toujours plaisir. Et tiens, pour ceux qui ont osé rester jusqu'au bout, un petit preview d'un dessin que Ray m'a fait. Un dessin que Ray m'a fait. Ouais, ça, attends, laisse-moi voir les couleurs par contre. La différence gauche-droite en fait. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est le 5. Je vous laisse apprécier et je vous laisserai deviner le thème du prochain Nawak Lennon Show. Voilà. Sur ce, hop, j'enlève le spoiler. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie et à la prochaine. Et hop, bisous à tous. Bisous.